Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo, la suite de la série des cartes avec cette planche. Alors, je vais zoomer un peu parce que là, je vois que c'est un peu trop près. Alors, voilà. Alors, la base de cartes. Toujours la même chose, hein, 14,5 sur 10,5. Et un morceau blanc qui fait 10 cm sur 14 cm. Je vais mettre un papillon. Voilà. Que j'ai pris de la planche scie de chez Action. J'ai pris ce tamponnage et ce dies-là. Voilà. Ils viennent de chez, chez Action. Pardon. Je vais y arriver. Pour le joyeux anniversaire, j'ai pris de cette planche. Alors, je l'ai eu chez AliExpress. Alors, je prendrai ce tampon-là. Joyeux anniversaire. Il vous faudra bien sûr des strass. Alors, moi, je vais prendre celle-ci. Il vous faudra de l'encre jaune. Alors, moi, j'ai pris l'encre Easing Aurore. Et toujours la Memento Black. Voilà. Et on va passer au tuto. Alors, j'enlève ma base de cartes. Je mets mon papier. Voilà. Alors, je vais prendre ceci. Tampon acrylique. Je vais tamponner. C'est pas grave. Alors, je mets ici. Voilà. Je continue. Dernier. Voilà. Et le dernier, je le mets ici. Là, je veux dire, voilà. Je mets ici. Voilà. Là, je n'ai plus besoin de la Memento et ni du tampon. Je vais prendre maintenant mes ceci. Et je prends jaune. Bien sûr, je nettoie les bords, sinon il y en a partout. Voilà, et je tamponne ici.
ici aussi. Voilà. Et puis, je vais encore faire là. Voilà. J'ai plus besoin de mon encre et ni mon tampon. Voilà. Maintenant, je vais prendre ma base de carte et je vais coller. Voilà. Je vais prendre mon papillon et je vais le coller avec de la mousse 3D. Voilà, et je le colle ici. Voilà. Je vais prendre mon tampon joyeux anniversaire. Voilà. Et ma manette. Ici. Voilà. Je laisse après. Je vais mettre maintenant mes strass. Voilà. Un petit ici. Une autre ici. Voilà. Voilà, la carte est terminée. J'espère que cette carte vous aura plu et on se retrouve très vite pour la dernière carte avec cette planche. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Bye.